Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, donc le lundi c'est unboxing avec Fifi, comme toujours. Alors, aujourd'hui, unboxing avec la boutique Hyundai Saving. Il va y avoir deux accessoires broderie, il y en a un qu'on peut servir pour la broderie, pour le DP, pour ce qu'on veut. Et il va y avoir un DP, voilà. Alors, je commence par les accessoires et après, on se mettra face bureau pour regarder le DP. Bon, faites pas attention, hein, c'est Fifi Brin d'Acier. Je viens d'aller faire mes courses. Ici, dans le Nord, il fait un vent à décorner les bœufs. Alors, hein? Et puis, celui qui aime pas ma coiffure, bah, il regarde pas. Voilà, donc j'ai dit ce matin, je ne vais pas faire de chichi avec mes cheveux, vu le vent. C'est pas la peine. Alors. On va fermer le petit sachet. Oui, encore. Et vous savez que j'ai beaucoup de fils à bobiner. Donc voilà, alors celle-là c'est celle que je préfère, je vous explique. Déjà elles sont en plastique, donc c'est top. Elles sont blanches, ça c'est top aussi, mais elles ont que les petits crans en bas. Ici il y en a où ils ont des crans aussi en haut, et ça je les aime moins. Bon, j'en ai, donc je les utilise, mais je préfère ceux-là. Donc dans le paquet il y en a 120, il y a 120 cartes nettes, donc il y a de quoi faire, mais bon, j'ai jamais assez moi, donc et ces 120 cartes nettes, elles sont à 4,95 $. Voilà, on va remettre la petite carte nette dedans. Hop. Donc ça c'est bien. Alors, des fois, il y en a qui me demandent comment je range mes fils, tout ça. Il y en a qui me disent, oh, en carte nette, j'aime pas. Mais déjà, ça prend moins de place en carte nette que de faire des petites étiquettes et laisser tout le fil pendouiller. De laisser les échevettes. À la longue, les échevettes, ça bouge, ça se défait, ça... c'est pas top. Et en plus, là, vous pouvez les classer. Si j'y pense, je vous mettrai une photo de ma commode, d'une de mes commodes où je range mes fils. Vous pouvez les classer par... Alors moi, je classe par numéro croissant, pas par couleur. Je classe par... parce que j'ai pas envie de m'amuser à chercher après les numéros. Au moins, par numéro croissant, je sais tout de suite où je dois aller. Voilà, et je trouve que ça prend beaucoup moins de place en cartonnette. Voilà, j'ai répondu à certaines qui se posaient la question. Ensuite, alors ça vous l'avez déjà vu, mais en ce moment c'est vrai que les boutiques proposent pour qu'on les prenne, donc je prends, hein. Alors là, c'est un accessoire, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser en broderie. Donc, principalement, c'est ce qu'on fait. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour les DP. Alors, peut-être pas cette taille. Enfin, aussi pour les petits. Le modèle au-dessus, celui-là, c'est des 30-40. Mais je crois que c'est des vrais 30-40. Alors, attendez. Alors, vous êtes en train de nous dire, mais elle nous parle de quoi? Là, elle n'a encore rien dit. Alors, 30-40, mais ça fait 39. Et là, je vais prendre... Alors, là, ça fait 28,5, mais si je prends en dessous de la fermeture éclair, ça fait 27,5. Voilà. Donc, ce sont des pochettes comme ça. Voilà, donc ça c'est tip top, hein.
aussi bien pour ranger les broderies que pour ranger. Donc celle-là, c'est des... Alors, ils disent 30-40, mais je viens de vous dire, c'est pas réellement des 30-40. Mais c'est très solide. Vous voyez, on voit à travers, donc c'est bien. Les cuisses-nappes rentrent. Alors celui-là, ouais, ça rentre pile poil dedans. Faut pas mettre un gramme de un poil de chat en plus. sinon, il y a encore le modèle au-dessus. Alors là, j'ai pu. Alors est-ce que j'ai peut-être. Hein, attendez, attendez. J'ai peut-être la taille dans mon carnet. Ah oui, voilà. Alors, ça, c'est des, c'est ce qu'on appelle des B4. Voilà. Et après, vous avez les A3. Et là, ça mesure 43,5 sur 30,5. Là. Et après, vous avez des A4. Donc, plus petit. A4, c'est... voilà, ça fait la moitié. Les... Je viens de dire les combien. Les A3, pour y ranger, moi j'y range mes broderies, bien sûr. Mais j'y range également quand je termine. Alors, Chouchou, lui, range dans un, vous savez, classeur pochette, là. D'ailleurs, là, il faut que je lui en recommande un parce que le sien est plein maintenant. Moi, je mes DP terminés, que je n'encadre pas, parce que là, pour l'instant, je n'en encadre plus. Je les mets dans une pochette comme ça, voilà. Donc ils sont tous, enfin tous, j'en ai pas fait énormément hein, ces derniers temps, vous le savez. Mais je les range dedans, tel quel, et au moins ça bouge pas, c'est protégé avec le plastique, voilà. Donc, mais là pour les DP, nous, vous savez, on fait surtout des 30-40. Bon, Chouchou, lui, je coupe. Les entourages blancs, je colle sur, vous avez peut-être déjà vu, je colle sur une, je crois que je les ai là, voilà, sur des feuilles noires comme ça, voilà, j'ai sorti ça, maintenant je suis embêtée avec, hop, on va te mettre là, bien sûr, il faut que j'en descende, donc lui, je colle sur une feuille noire et je le mets dans sa pochette classeur. Tandis que moi, non, pour l'instant, je ne coupe rien autour. Je mets direct dans la pochette et puis je verrai par la suite. Voilà. Donc, ça aussi, pour les broderies, c'est super. Vous rangez votre broderie dedans. Au moins, elle ne prend pas la poussière, elle ne s'abîme pas, rien. Alors là, c'est un paquet de combien? Alors, j'ai des vertes et des jaunes. Bon, je vais y arriver. Alors, j'ai trois jaunes, voilà, trois jaunes comme ça, et j'ai deux vertes, voilà, comme ceci. Et oui, il y a une petite étiquette là, bon, si vous avez envie d'écrire quelque chose dessus, pour savoir ce qu'il y a dedans, par exemple, pourquoi pas. Hop, ah, bien sûr, voilà, excusez-moi, hein. Je suis ma petite tambouille. Donc, ah bah oui, je l'avais marqué là en plus, B4. Le lot de 5 pochettes B4, donc en 39, 20, oui, j'ai dit 30, 40, non, j'ai bien noté la taille, 39, 28 cm. Je sais rien, c'est lundi. Hein. 7,95 $. Voilà. Alors, je vous donnerai également un code promo que la boutique vous offre. Comme ça, vous payez moins cher vos courses. Alors, le code promo, ce sera 5% sur votre commande. Et vous mettez le code DIDIT05 OFF en majuscule. OFF. Mais je vous le remets à l'écran. Je vais peut-être, si j'oublie pas, je vous le remets à la fin. Mais de toute façon, je vous le remettrai également en barre d'infos. Voilà. Allez, un petit DP, donc on se met face bureau. Voilà, ah, j'ai oublié de le déballer, bon, c'est pas grave. Alors, pouvez, vous, 1, 2, 3, vous pouvez voir
que c'est un DP partiel. Bon, du coup, je vous le montre tout de suite. Il n'est pas grand. Donc, c'est un 30-30. Hop. On va enlever les plis. Hein. Comme ça, on verra mieux ce joli minou. Voilà. Voilà un joli minou. Attendez, peut-être que si j'éteins là, ouais, on verra mieux. Alors voilà, à faire tout en strass en perles spéciales. Donc vous avez le petit toolkit comme d'habitude. Et on a les strass. Ah, il y en a qui font des bêtises en bas. Chouchou, il dispute. Pendant que j'étais faire les courses ce matin, quand je suis revenue, il m'a dit que Fifi s'était fait disputer. Elle a tapé Géry deux fois. Deux fois, elle passe devant les chiens, puis je bloum. Allez, tiens, je te mets une torgnole. Pourquoi on n'en sait rien, mais alors attendez, hop. Voilà des yeux de chat, c'est d'actualité là. Encore des yeux de chat, des petites gouttes d'eau, des petits strass ronds, et tout petit, des blancs, enfin, c'est pas blanc, c'est. Moi, j'appelle ça couleur diamant. Des bleus, des turquoises, des jaunes. Alors, là, c'est des jaunes très pâles. Oups. Oh là là, oh là là. Ah, voilà. Et des roses. Voilà. On a 11 couleurs. Donc, ça va. Il va très joli, ce minou. Voyez, donc je vous montre niveau impression, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, ceux-là avec les strass, déjà maintenant les DP, c'est très rare qu'ils ont des problèmes d'impression, mais ceux-là encore moins. Voilà, regardez, t'as de beaux yeux, tu sais. Donc voilà. Alors, si jamais vous rangez à plat. Vous avez la référence ici. Et est-ce que vous l'avez là? Oui, vous avez également la référence sur les sachets. Voilà. Ce petit DP. Alors, 30 sur 30 en strass. 4,95 $. Voilà. Bah, écoutez. On va faire ça. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais bon, je sais pas si c'est moi ou Chouchou. On verra. On va tirer à la. Ah, pardon, je ne vous ai pas dézoomé. On va tirer à la courte paille pour savoir qui va le faire. Mais il est trop choupinou. Voilà. Excusez-moi. donc, je vous rappelle que vous avez un code promo, moins 5% sur votre commande. Donc, le code promo, vous pouvez toujours vous en servir. Hein. Donc, notez-le bien dans un coin. Didit 05 off en majuscule. Voilà, je vous l'ai remis normalement à l'écran. Mais de toute façon, vous le retrouvez en barre d'infos. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi, en attendant, je vais d'abord remercier la boutique On Day Saving de m'avoir permis de choisir de nouveaux articles. N'hésitez pas à aller voir la boutique, il y a plein de belles choses, comme d'habitude. Et moi, en attendant, le lundi du unboxing est terminé, voilà, puisque il n'y a pas d'autres colis cette semaine. Et Fifi vient vous dire au revoir. Voilà. Oups là, je l'ai pas. Non, pas la tête dessus. Pas la tête dessus. Tu veux dire au revoir? Attends, maman va te. Ouh Fifi. Tu m'y vas, Fifi. 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 Fifi.
coucou. Oh. Allez, je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.